J'ai dit dans cette saison, le Seigneur va utiliser des femmes ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Des femmes qui n'ont pas de nom, des femmes qui n'ont pas de réputation, des femmes qui n'ont pas de connexion, des femmes qui n'ont pas, alléluia, un grand ministère. Et pourtant, Dieu va utiliser des femmes ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Déborah, dites-moi gloire! Il a pris une femme ordinaire. La semaine prochaine, je vous parlerai un peu plus des femmes ordinaires parce que la semaine prochaine, je vais vous parler de Jaël. Alléluia. Ah, je vais vous parler de Jaël. Jaël, c'est une autre dimension. Donc, voilà. Le Seigneur utilisait une femme apparemment ordinaire. Elle était mariée avec un homme ordinaire qui s'appelait Lapidote. Mais le Seigneur lui avait donné le don de prophétie, la grâce de prophétie. C'était une intercesseur. Elle savait prier. C'était une femme de prière. C'était une guerrière de la prière. Et dans son temps de prière, Dieu lui accordait des révélations. Dieu lui faisait voir des choses. Dieu lui donnait des messages. Donc voilà, cette femme-là, qui était femme de Lapidote, elle était prophétesse. Prophétesse. Mais la Bible dit cette femme-là était également juge en Israël. Ou encore mieux, elle est devenue juge en Israël. Maintenant, vous devriez comprendre que l'appel originel de Déborah, c'était celui de la prophétie. Le don que Dieu lui avait accordé, c'était la prophétie. Mais la Bible dit, elle est devenue juge. On lit de Déborah ici comme juge. Déborah, c'est la seule femme juge que vous avez dans la Bible. Il n'y en a pas d'autre. Pourquoi? Parce que la responsabilité de juge, ce n'était pas la responsabilité d'une femme en ce temps-là. Ceux qui étaient appelés en tant que juge, qui devaient remplir l'office, le ministère de juge, c'était des hommes, c'était un ministère réservé aux hommes, c'était un poste réservé aux hommes. Donc conséquemment, la Bible parle de Gédéon qui était juge, et Samson qui était juge, et Jephthé qui était juge, et Othniel qui était juge, et Ehud qui était... Déborah, c'est la seule femme juge que vous ayez trouvée dans la Bible. Pourquoi? Parce que, et pourquoi c'était une tâche réservée aux hommes? Parce que celui qui était juge, c'était le commandant de l'armée. C'était le chef de l'armée qui fonctionnait comme juge. Donc le juge avait la responsabilité d'aller en guerre. Le juge avait la responsabilité de mener l'armée. Le juge avait la responsabilité de diriger le peuple dans la bataille. Et en ce temps-là, il n'y avait pas de femmes de l'armée d'Israël. Les femmes ne faisaient pas partie de l'armée d'Israël. Donc, elles ne pouvaient pas être générales. Elles ne pouvaient pas être chef de l'armée. Elles ne pouvaient pas être commandant de l'armée. Donc, conséquemment, elles ne pouvaient pas être juges. Mais voilà, cette femme qui ne devrait pas être juge, son appel, c'était d'être prophétesse. Mais elle arrive à être juge. Pourquoi? Parce que celui qui devait être juge, celui qui était le chef de l'armée, celui qui était le commandant de l'armée, celui qui était responsable de l'armée, celui qui devrait guider l'armée, s'appelait Barak. Et quand l'Éternel parlait à Barak, quand il lui donnait des responsabilités, quand il lui donnait des ordres, Barak ne voulait pas obéir. Barak ne voulait pas suivre. Barak ne voulait pas marcher sous l'ordre de Dieu. Donc, puisque Barak n'avait pas voulu écouter, eh bien, le Seigneur a dit, donc maintenant, Déborah, je lui avais déjà donné la grâce de la prophétie. Maintenant, je vais prendre ce qui est à toi. Ah là 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 là. Là, là, là. Barak était celui qui était appelé à être juge. Mais puisqu'il n'a pas obéi à Dieu, Dieu a dit, je passe au plan B. Maintenant, en plus de ce que j'avais donné à Déborah originellement comme prophétesse, je vais faire d'elle non seulement prophétesse, mais je vais faire d'elle un juge en Israël également. Donc si tu n'as pas besoin de ton don, je vais le donner à quelqu'un d'autre.
d'autre. Si tu n'as pas besoin de ton ministère, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Si tu n'as pas besoin de la grâce que je t'ai donnée, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Et pendant que je priais pendant cette semaine, j'ai entendu le Seigneur me dire, ah, dis Grégory, dis aux Déborah qui sont dans ton assemblée, qui sont à Shekinah, prépare-toi pour des grâces supplémentaires. Oh, disons gloire! Prépare-toi pour des grâces supplémentaires.